Aussitôt revenu d'une mission de service en Jordanie, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a réuni ses collaborateurs. Les commissaires provinciaux adjoints, les chefs de département, les commandants des commissariats, des grandes unités et autres ont reçu du général Silvano Kasongo des instructions fermes sur la conduite à tenir pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda à travers les terroristes du M23. La population kinoise est appelée à la vigilance tout en évitant d'appliquer la justice populaire. J'ai sensibilisé le commandant d'être vigilant, d'être sur le terrain pour appliquer ou bien pour faire notre mission, c'est-à-dire la mission d'exécuter notre mission, la mission de la police qui est celle de protéger les personnes et leurs biens sans aucune discrimination. Les jeunes gens qui ont érigé des checkpoints illégaux à Bandalungwa pour se livrer à des actes de xénophobie sont recherchés par la police et seront arrêtés, a rassuré le commandant de la ville. Vous savez, ces derniers temps, il y a des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont en train de pourchasser les gens à cause de la morphologie. La police doit être sur terrain, être debout pour traquer et sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans la piste de l'ennemi. Si la population voit qu'une personne suspecte, la population n'a qu'à appeler la police va vérifier si la personne suspecte ou pas. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place des services de sécurité. Par ailleurs, pour avoir laissé se commettre des actes susceptibles de constituer des faits répréhensibles, la commandante du commissariat de Bandalungwa, la commissaire supérieure adjointe Hortense Mwaku, a été suspendue de ses fonctions pour négligence et violation des consignes. Lors de cette réunion, le général Silvano Kasongo a aussi insisté sur l'application stricte de la décision prise par la hiérarchie interdisant le port des tenues ou insignes qui s'apparentent à la tenue des militaires FARDC ou de la police nationale. Dorénavant, personne ne peut arborer la tenue qui ressemble à celle de la police ou celle de l'armée. Quiconque porterait une tenue semblable à celle de la police ou de l'armée serait arrêté et déféré. Le commissaire provincial Silvano Kasongo a rassuré la population de la ville de Kinshasa que la mission régalienne de la police étant la protection des personnes, quelle que soit leur race ou nationalité et de leurs biens, cette mission sera remplie en toute responsabilité et sans discrimination.